la parole accordée. Je voudrais, avant de dire un petit mot, rappeler d'abord, ou sinon interpeller la conscience de la population. Nous devons le savoir que lorsque nous sommes appelés à mener une lutte, on doit aller jusqu'au bout. Nous devons aller jusqu'au bout parce que face à des situations pareilles, surtout l'insécurité, c'est une priorité pour tout un chacun de nous. Parce que l'affaire de la sécurité, c'est une affaire de la commission qui est venue, la commission nationale qui est composée du ministre des droits humains, et c'est le vice-ministre de l'intérieur, et nous avons aussi le vice-ministre de la justice, mais aussi le général de la police nationale congolaise. Nous avons posé les problèmes par rapport à la situation de l'insécurité qui se pose au niveau de Lukala. Parce que Lukala et Kimpese, ce sont des cités sœurs. Et raison pour laquelle nous avons demandé aux autorités que les mesures préventives qui seront prises au niveau de Lukala soient aussi prises au niveau de Kimpese. Parce qu'on a eu aussi enregistré les cas d'assassinats, les cas de viols, les cas de vols. Et tout ça, ce sont des problèmes qui dérangent, qui créent même la psychose dans le chef de la population. Donc voilà pourquoi. Et nous avons aussi donner des recommandations au niveau des autorités de Kinshasa qu'ils prennent leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils prennent des responsabilités et que lorsqu'il s'agit peut-être d'agir, on doit agir selon les principes. On ne peut pas agir parce qu'on doit agir, parce qu'on nécessite cela. Nous connaissons bien les problèmes que nous avons. Donc voilà un peu le problème que nous avons posé ici pour les comptes de Lukala. Ce n'était pas prévu que vous soyez là. Vous avez improvisé, mais comment vous avez trouvé votre interlocuteur? Nous avons apprécié parce que si nous sommes venus ici, c'est parce que ça nous concerne aussi. Les problèmes de Kimpese sont aussi les problèmes de Lukala. Donc voilà pourquoi nous sommes venus ici. Merci. Oui.